Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous êtes motivés parce qu'aujourd'hui, ouh putain, on va se faire du lourd, je vous le dis direct. J'ai archi kiffé, j'ai lancé pour faire le premier level, histoire 2. Et ouais, on va se faire un petit peu de néo-rétro sur Nintendo Switch. Et c'est vraiment, vraiment une pépite. C'est ma pépite du mois, je vous le dis direct. Je me suis éclaté et j'espère que je vais vous donner envie. Avec ce let's play, donc je vous présente Mighty Goose qui est disponible sur Nintendo Switch depuis quelques temps, depuis le 5-6, voilà, aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 8. Je sais pas quand est-ce qu'elle va être publiée, mais moi j'attends le 8 et il est disponible depuis le 5-6. Classe d'âge Peggy 12, on peut y jouer avec le Pro Controller ou les Joy-Con, à vous de voir. Au niveau des langues, allemand, anglais, espagnol, français, etc. Et le jeu fait 268 MO installé sur ma micro SD. Le jeu est seulement à 16,79€. Franchement, faut en profiter. Le plus grand chasseur de primes de la galaxie. Donc vous avez vu un peu le délire. Donc on joue une oie un peu frappadingue dans sa tête. C'est une oie un peu Rambo. Et si vous aimez Metal Slug, vous allez aimer Mighty Goose sur Nintendo Switch, mais pas que. Il est aussi disponible sur Steam, PS4, tralala, et tralala, Xbox et tout. Faites-vous plaisir, franchement c'est ma pépite du mois, je vous le dis direct. Donc endossez le rôle de Mighty Goose et partez affronter des terribles armées de sbires, de monstres robotisés, du roi Void, un monarque aspirant à conquérir la galaxie après galaxie. Voilà, donc je vous dis le speech vite fait. Donc 16,79€. Donc on va voir vite fait dans les paramètres, donc voilà, musique, SFX, le tir automatique, mais bon voilà, moi j'aime bien Metal Slug et tout, donc je me fais pas yesh, je ne mets pas le tir automatique, par contre si t'as mal à ton pouce, bah moi je te le conseille de l'activer. Désactiver les secousses écran, moi j'adore à mort, les flashs aussi j'adore, donc tout ça je laisse, c'est de la pépite, c'est du lourd. Donc c'est du néo rétro, si t'as Metal Slug, c'est un Metal Slug like, je te le dis direct. L'armurerie on verra après, parce que pour l'instant c'est verrouillé, on s'en balèque. Ensuite, je vous ai pas dit, mais Mighty, c'est le développeur, c'est Blasmod et MP2 Game, et l'éditeur, c'est Playism et Activity Gaming Media. Donc, petit jeu indé qui fait super plaisir. Ça fait un petit moment que je m'étais pas autant éclaté, et là, vous le voyez à mon engouement, ouais, parce que du coup, j'ai pété le premier level, j'ai pas pu résister. Voilà, c'est comme ça, c'est voilà. Bah, Mighty Goose, c'est ton cher opérateur Shonk qui vous parle. Donc, le petit lapin là, ça me fait penser à la série avec le petit lapin bleu et je sais plus comment ça s'appelle là. Ça passe sur Cartoon Network. Comme d'habitude, c'est moi qui te fournis des informations à distance pendant tes missions. Utilise cette carte pour parcourir les galaxies et partir en mission. Bonne chance. Allez, c'est parti. On va se faire les premières missions ensemble. Allez, un petit let's play de comme d'habitude, hein, 15-20 minutes. Allez, on va se faire plaisir. Une roulade plus saut, j'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pas grave. Donc je vous ai dit le principal, donc Nintendo Switch, Xbox, Microsoft, Linux, PlayStation 5. Il est partout, faites-vous plaisir, 16 balles 79, je crois que c'est le même prix sur Steam. Allez, c'est y part. Ah voilà, ok, d'accord. Donc pour tirer, c'est Y, d'accord. Donc là je vous montre. Ok, là t'as la jauge de boost, tu vas voir, il va se... Je te spoil pas, mais tu vas comprendre tout à l'heure. Pour les commandes, donc là avec le joystick de gauche, bah je dirige le personnage. Y pour tirer, B pour sauter, d'accord. A pour faire la roulade. Ok. Et X, je crois que c'est pour le cri du canard. Donc pour l'instant, ça sert à rien. Bel atterrissage, le maître d'armes est retenu prisonnier dans les cellules de détention des niveaux. Je te laisse t'en charger. Bonne chance. Donc là, je récupère des combos, des points et tout, et on y va. Et donc le cri du canard, c'est histoire de se défouler quoi. Voilà, tout simplement, ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Cet ascenseur semble désactivé. Je suis sûr que tu pourras le faire marcher si tu trouvais la panne du contrôleur. Le panneau du contrôle, autant pour moi. Allez, c'est y part. Et là, je crois que ça va commencer dans le dur. Oh là, robot! Donc là, on commence vraiment tranquille. Hein. C'est pour apprendre les bases et tout. Mais après, vous allez voir, tu as détruit le terminal. Voilà. J'imagine que ça a fonctionné. Putain, ils sont où les cons? Allez, viens par là! Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'ajout d'armes. Mais tu vas voir, avec le temps, ça va venir. Faut juste être patient. Voilà, faut pas. Pas plus vite que la musique, hein, c'est le premier level.
Ah, j'aime bien le petit son aussi. Donc néo-rétro, franchement ça fait plaisir. Oh, il est con. Et je te dis, c'est noir en beau, ça fait péter, c'est délirant, voilà, c'est tranquille, ça change quoi. Franchement ça change. La roulette te donne un élan vers l'avant, très utile pour te tirer d'une mauvaise situation. Pendant la roulette, Metigoose est immunisé aux attaques ennemies. Utilise-la à bon escient. Tu peux aussi l'utiliser en plein air. Voilà, c'est bon à savoir. Et là, tu vas voir, elle met des grosses pancartes à la Rambo. Donc là, voilà, on prend une arme et c'est parti. Mange Shingon. T'entends le petit son derrière qui fait plaisir, là? Merde, j'aurais dû faire ça depuis le début, c'est pas grave. Ah là, la musique et tout. Une minute, gosse. Il y a du renfort en chemin. Wiggle, wiggle hard duck. C'est porté volontaire pour t'aider dans cette mission. Un héros digne de ce nom se doit d'avoir un acolyte. Et Mighty Goose ne fait pas exception à la règle. Ah, j'ai mon petit carnard là. Les compagnons sont contrôlés par l'ordinateur et ils essaient de t'aider lors de tes missions. Chacun de tes compagnons possède des capacités qui lui sont propres. Certains sont plus utiles que d'autres. De nouveaux compagnons deviendront disponibles au fur et à mesure du jeu. Essaie de les tous les réunir. Oh oui, magnifique. Donc ça, la roulade, c'est super bien. C'est quand... Moi, je vais pas spoiler, je vais attendre un peu. Tu vas comprendre après. Ah ! Pour ça, par exemple. Merde, je me fais canarder. Excellent, excellent. Merde, j'y arrive pas. Par contre, un petit peu plus d'armes, ça serait pas mal, hein. Donc là, j'ai spoilé... Ah, putain, j'ai spoilé un peu le jeu, hein. Mais normalement, c'est pas comme ça. La roue... Le jump, là. Ah, voilà. Machine gun. Ah, c'est le meilleur. Ah, j'adore le machine gun. J'aime bien comment il le dit et tout. Ah, putain, franchement, c'est archi fun, hein. Un petit mode coop comme ça, là, avec un poteau. Ah, franchement, ça serait délire. Ah, franchement. Une fois la jauge de Mighty remplie après avoir attaqué des adversaires, tu peux activer le Mighty Mode. Ce mode surcharge tes attaques et immunise Mighty Mode contre la plupart des dégâts. Le mode Mighty Mode. Le mode Mighty utilise rapidement ta jauge Mighty. Et essaye de l'utiliser ce bref délai à bon escient. Continue d'attaquer des ennemis afin de prolonger sa durée. Franchement, un petit mode coop là-dedans, ça sera méga badass. Et je sais même pas, j'ai même pas regardé en fait. Je sais même pas si c'est un ou deux seuls joueurs. Je regarderai. Je le mettrai dans la description, vous inquiétez pas. Voilà, il va mettre une fois carrière. Poum poum poum. Pam, 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 pam. Ah putain. Ah lui, il lance des boules là, c'est chiant. Allez, c'est parti. Faut pas croire que c'est simple comme ça, hein, attention. Ok, je me suis claqué le premier niveau. C'est archi badass et tout. Mais voilà, il y a du level. Donc là, tu reprends un petit peu de machin. Là, c'est quoi là? Et franchement, il y a des armes. Franchement, ça pète à mort. Hop. Voilà, par exemple comme ça là. Le shotgun, regarde. Hop. Allez là, c'est parti. Attention, la descente aux enfers. Ah, par contre, j'ai perdu ma jauge debout. Je sais pas si t'avais vu juste avant. Merde. Ah, là par contre, ça va être moins drôle là. Si j'avais que ça comme arme, mon boost ça va pas être terrible. C'est quoi ça? Tant que je prends pas de dégâts, c'est le principal. Ah, le petit cri là qui fait plaisir. Voilà, je nique direct, hein. Me fais pas chier. On va essayer d'avoir un petit peu le boost là, ça serait bien. Oh putain, j'avais pas vu là. Et là, ça va de plus en plus vite, hein. Tu vois l'ascenseur, il arrive. Ah, je peux dire qu'après une sorte de game, hein, t'as le pouce en feu, mais oui, complètement. Bon, là, tu pourras faire une roulade histoire de les esquiver, quoi. Tranquille. Putain, il arrive quoi, là? Ah, franchement, tu te mets le doigt dans la glace, hein, une fois que t'as fini le jeu, là. Par contre, ah, putain, casse-toi, toi. Donc ouais, si t'adores Metal Shock, tu vas aimer Mighty Goose, hein, franchement. 16,79, fais-toi plaisir. Et attention, je passe contre toi rien du tout, hein. Vous êtes sur les Gata TV, vous savez. De toute façon, c'est... Puis d'abord, j'ai oublié de vous dire, mais merci pour vos abonnements. Ça fait super plaisir.
Et si c'est chill, c'est détente, on se prend pas la tête, on force personne, faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, vous aimez la chaîne, vous la faites découvrir, vous aimez pas la chaîne, bah tu mets un pouce rouge, puis tu te barres. Voilà. On est là pour pas se prendre la tête, c'est pour le plaisir. Les vidéos, j'ai fait pour mon simple plaisir. Avec le Druid Geek, voilà. C'est histoire de se détendre, et puis voilà, on partage notre détente ensemble, c'est tranquille. Et prochainement, on se verra peut-être sur YouTube, YouTube Live ou Twitch Live, je sais pas, on verra. Putain, j'ai pas de bombe là, je me fais canarder. Bon, ça va, je meurs pas là, mais je pourrais me faire serrer là. Ah ouais, j'ai ma jauge là. Dès qu'il y a un ennemi. Là, ça canarde pas. Ah putain, ça canarde pas assez, dommage. Ah, j'ai encore perdu ma jauge là, c'est relou. Bon, après, c'est le jeu, hein. Voilà, gosse. Mes scanners indiquent que tu es très proche du maître d'armes, Vark. Essaye d'artiser la zone pour voir si tu le trouves. Fais attention à toi. Donc tu vois, un gameplay comme ça, let's play là, tranquille entre nous, c'est chill. Voilà, bah j'ai le temps de jouer avec toi. Et puis, bah voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tirer vers le bas. Une fois en l'air, Mighty Ghost peut aussi tirer vers le bas. Le recul de l'âme te permet de rester en l'air un peu plus longtemps. Excuse-moi. Excellent, dans cette technique, tu vas faire pleuvoir la mort venue du ciel. Je suis en train de m'étouffer, moi. Tu vois, comme ça, là, ce que je te montrais tout à l'heure. Oh, attends. Voilà, tranquille. Et là, on va libérer un acolyte. Bon, par contre, ce qui est archi bien, tu vas voir, si j'arrive, si je meurs, le jeu nous donne quelques boosts. Tu peux désormais choisir ce compagnon à l'armurerie. Y'a pas mal le petit cochon là. Allez, viens là. Donc, une noix totalement frappadingue à la Rambo là qui a peur de rien. Bah, tiens, là, lui donne des armes. Machine gun. Ça, j'adore. On va peut-être réussir à remplir la jauge de boost et se faire péter la jauge de boost. Mouah. Regarde. Mouah. Le X, c'est pour le cri de loi. Ah, par contre, il faut faire super attention parce que, ouais, voilà. Ah putain. Bon, premier boss du jeu. Ah, tu vois, même avec la machine. Ah, bâtard. Je sais pas si je vais réussir la première fois. Je pense pas, hein. Je ne pense pas. Ouais, voilà. Regarde quand il meurt. Ah, directement en rôti, tranquille. Oh là 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 là. Un petit boost qui fait plaisir. Attention. Donc, une fois en l'air, Mighty Ghost peut aussi tirer vers le bas. Nanana. De toute façon, j'ai déjà lu. Hop. Et on y va. Attention, allez, c'est parti, c'est le boss sur Mighty Goose. On va voir ce que ça donne. Attention. Ah, j'ai plus de flingue là, c'est pas drôle. Les merdes, je vais te péter là. C'est parti, on va y arriver, on va tout défoncer là. On va y arriver à tout défoncer. Allez, on passe en mode Super Saiyan. Oh, oh non, 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 c'est bien parti là. Oh là, ça pète de partout. Oh là. Ah, ça, c'est bon ça. Et voilà, on a réussi. Oh purée, c'est bon ça. Avec le dernier petit péteux là, mais là, ça l'a fait tranquille. Franchement, Mighty Goose, sur Nintendo Switch et pas que PS4 et tralala. Faites-vous plaisir, c'est vraiment 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 du lourd. Hop, et là regarde, allez, un petit bonus c'est pour toi. Après si tu veux qu'on termine le jeu ensemble, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Voilà, tu mets ton commentaire tranquille et on se fait une partie de let's play ensemble. Franchement ça fait trop rappeler Metal Slug là. Ah ça fait plaisir, hein. Franchement. Petit jeu détente, ah là là ça te défoule et tout.
Ah par contre je vais mettre mon cou dans la glace tout à l'heure, hein, c'est obligé. Hein. Parce que du coup j'ai pas activé le tir automatique et j'ai des dagues en feu. Un truc de dingue. Allez, on y va. Ah ça fait plaisir. Et chaque coup de la présence avec moi. Tu as réussi, j'ai un visuel sur ta position. À moins de minute. Rayon tracteur activé. Allez hop, c'est parti. Et voilà, premier niveau terminé de Mighty Goose. Par contre, ça fait plaisir. Donc, développeur Blastmod, MP2 Game, éditeur Playlist, mais Activity Gaming Media. Bon, voilà, rendez normal. Mais tout à l'heure, je l'ai fait en rang B, je crois, si je dis pas de conneries. En fait, moins tu meurs, et plus ton rang est mieux. Ah, le gameplay, franchement, il est badass. Le scénario a l'air de tenir. Bon, voilà, on est dans les premières heures. Première minute de jeu, fais venir le corbeau. Une oie versus le corbeau. Ah, le fighting, quoi. C'est des pierres d'arc, quoi. Je suis là pour vous servir, votre excellence. Il semblerait qu'une oie choisseuse de prime sème le désordre dans notre centre. J'attends que tu te charges de ce problème, corbeau. Montre-moi à la hauteur de mes espérances. Montre-toi à la hauteur de mes espérances. Je vais y arriver, hein. Je le serai, votre excellence. Je me charge de cette affaire sur le champ. Bon, du coup, il va y avoir un battle. Le corbeau versus l'oie. Donc voilà, une fois que t'es dans le... Hop, merci de m'avoir sorti du pétrin, Goz. C'était vraiment horrible. Surtout la bouffe. Tant qu'on est de retour au versus, je vais pouvoir reprendre les travaux. Ok. Rejoins-moi dans l'armurerie pour qu'on puisse améliorer ton matos. Donc voilà, on va aller faire un petit tour dans l'armurerie. C'est pour ça, au début, tu pouvais pas le débloquer. Bon, tu vois, les paramètres, c'est là. Donc là, dans l'armurerie. Et au fur et à mesure que tu vas monter dans les niveaux... Voilà, par exemple, je peux équiper tes armes secondaires et même choisir ton nez qui t'accompagne dans tes missions. Ces petits jeux sont vraiment disponibles sur toutes les missions. Alors viens jeter un oeil. Ça fait beaucoup d'infos à retenir, prends ton temps et regarde si quelque chose te plaît. Donc là, botte sprint augmente la vitesse de déplacement. Donc là, on va les prendre, tu vois. Du coup, là, tu vois, utilisation d'énergie. Tac, tac, tac. Après, avec ZDR, tu switches de fenêtre. Et là, ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, le cacarement, là. Voilà, t'appuies sur X et t'as le cacarement. Bon, voilà, cacarement qui est toutes tes forces. Ça sert pas à grand chose, mais bon, voilà, c'est toujours là. Et du coup, après, tu vas obtenir autre chose. Et là, t'as les personnes. Donc là, t'as le regular tuck, c'est ce qu'on a eu au début. Et là, on a le commandant Vark. Ingénieur de talent et maître d'armes, il n'est pas très fort au combat, mais possède une réserve infinie de munitions, de mitrailleuses. Donc là, tu peux l'équiper, donc nous, on va le prendre, par exemple. Voilà, là, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Donc là, on va sortir, et on va juste commencer le deuxième niveau, et on va se quitter là. Et ça serait très très bien pour cette première partie de vidéo. Donc progression globale, 7%, c'est bien, t'as la progression. C'est ce que j'adore, hein, parce que t'as des jeux, t'as même pas la progression, tu sais même pas le temps que t'as passé et tout. C'est un peu relou, je sais même pas être... Enfin, il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas, personnellement, j'aime bien savoir la progression du jeu. Tu peux amener un compagnon avec toi pour t'aider en mission. Oui, il est, c'est super. On va pas le terminer ce niveau-là, hein, ça sert à rien, je vais pas spoiler plus. Mais perso, prenez-le. Hein, il est sur... il est très très peu cher. Faites-vous plaisir. Hop. Ah, on a pas d'argent, super. Machine gun. Ouah, pour un autre super atterrissage, t'as cible, combat d'armes. D'après la satellite, le combat comme peur de carburant à l'est de ta position, bonne chance. Allez, c'est parti. Et encore quelques minutes et après on se lâche là. Quelques minutes de plaisir. Et franchement, visuellement, il est archi beau. Ça lag pas. Bon voilà, après, faut aimer le néo rétro, les genres 2D et tout. Mais voilà, bah, vaut mieux jouer à un jeu comme ça qui lag pas qu'un jeu de merde qui lag et qui fait chier, quoi. Faut le dire. Et là voilà, c'est plaisant, tu le lances, t'as pas de prendre la tête. Machine gun. Allez hop. Oh j'adore comment il a arrêté. C'est cool. Ah le breton. Ah oh, j'ai perdu là. On vient par là. Bon le petit cochon il sert à rien mais il donne des armes. Tiens, prends ça, bam 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 bam. Par contre c'est chaud parce que du coup t'as bien vu quand t'es comme ça là tu restes t'as pas beaucoup de défense. Donc tu mets des grosses pancartes à tes ennemis mais t'as pas beaucoup de défense. Donc là faut faire attention aussi là. Merde. Là je vais pas avoir trop mal. Ah c'est bon, j'ai eu un petit boost. Voilà. Merde. Hop. Voilà, hop, ça va pas trop compliqué là. Voilà. Ah j'ai plus d'armes là, redonne-moi des armes. Ah nickel. Oh, Shingon. Voilà, faut faire attention quand même, hein, parce que ça fait mal.
Donc bien utiliser la roulette et tout. Quand tu joues, c'est très très important. Non, il veut pas. Tu veux ou tu veux pas? Ah oui, il y a du monde par là. Non, je crois qu'il y a rien. Ah, il y a un truc là. Ah, pas, on y va. Je sais pas si c'est la bonne route. Hein. Je pensais strictement rien. Oh, j'ai trop les pancartes qui met. Oh, Jumbo, c'est ma guerre. Ah, là, c'est sa guerre. Ah, ouais, cool. Oh, c'est bon ça. Non, bah non, on va pas faire ça. Allez, c'est parti. Non, c'est bon ça. Allez hop. Petit boost comme ça qui fait plaisir, on fait du combo là. Très utile le combo. Bon là ça va pas faire grand chose. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Un petit power up qui fait plaisir. En plus on a un jeu de boost à fond. C'est bon ça. Bah, je sais pas si je peux l'activer. Non, je peux pas l'activer dans... quand je suis comme ça. Ah je peux pas. Oh là 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 là, regarde-moi ça un peu les effets et tout. Oh, c'est archi badass, on va pas le connaître. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, casse-toi, toi. Là, j'ai plus cher. Là. Il me reste 2 barres sur le vaisseau. Je peux l'écraser, c'est bon ça. Oula, attention, une nouvelle arme. Merde. Ah ouais, je peux pas me planquer à celui-là en fait. Ah ouais, bah il y a des avantages et des inconvénients. Allez c'est parti. Oh là 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 là, putain ça fait plaisir de défouloir. Allez casse-toi toi un peu. Ouais bah on peut pas gagner tout le temps hein. Je fais péter mon arme. Enfin mon véhicule plutôt. Oh, je suis énervé là. Allez en mode super Saiyan. Wouah, voilà, c'est bien n'importe quoi. Ah j'adore quand il est comme ça là, avec la musique qui est derrière. Tout 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 tout. Et là j'ai perdu, et bah c'est pas grave. On va se laisser là-dessus. Voilà, donc là tranquille, pour faire une petite roulade. Ah voilà. Ah on va pas se laisser là-dessus. Ah si, on va peut-être se laisser là-dessus. Ah peut-être voir. Bon, je sais, terminer au moins ça, histoire de... Donc voilà, je vous ai présenté Mighty Goose sur Nintendo Switch au prix de 16,79€. Tu peux l'avoir aussi sur Steam. Allez, sur PC, sur PS4, sur PS5 et tout. Fais-toi plaisir, franchement, c'est une pépite, un petit néo rétro, un Metaslug-like. Franchement, c'est ma pépite du mois. Bah, je me suis fait trop plaisir à l'acheter. Voilà. Et comment j'ai découvert sur un trailer sur YouTube, tout simplement, quoi. Voilà. Je m'étais paumé sur YouTube et je regardais les jeux qui allaient sortir et tout. Et puis, bah, j'ai trouvé Mighty Goose. J'ai fait, oh, putain, elle est trop badass, il faut que j'y joue, quoi. J'adore Metaslug, je vais le redire, mais voilà, un petit fan néo rétro. De toute façon, on sera aussi du Metaslug sur Android XU4 via Bateau Serra. Tranquillement, entre nous, c'est prévu. Tout ça, c'est prévu. J'ai du rétro et tout. Mais voilà, des moments manquent de temps, le temps de tourner les épisodes et tout. Enfin, bref. Donc voilà, c'était mon test de Mighty Goose sur la Nintendo Switch. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.